Retable du Moyen Âge Non, un montage photographique du français Pierre Dubreuil, intitulé Mise au tombeau du Christ, triptyque. L'œuvre date de 1900. De la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, les plus grands photographes d'Europe et d'Amérique cherchent ainsi à rivaliser avec la peinture, toute la peinture. 1910, du même Pierre Dubreuil, une photographie intitulée Interprétation Picasso, le rapide. La référence au cubisme est claire, l'image l'est moins. Il faut la regarder attentivement pour reconnaître une photographie de locomotive, le rapide du titre, retravaillé et rehaussé au fusain, jusqu'à ce que la locomotive et la photographie deviennent pareillement méconnaissables. Ce travestissement, qu'on appelle le pictorialisme, est la réponse à une crise. Un demi-siècle après son invention, la photographie doute de sa véritable nature. Une autre locomotive, filmée par les Frères Lumière en 1896. Paradoxalement, la crise de la photographie survient au moment même où l'industrie photographique est en plein essor. Cette foule d'ouvrières et d'ouvriers sort d'une usine fabriquant du matériel photographique et l'invention même du cinéma témoigne des énormes progrès techniques accomplis en même temps qu'elle semble certifier la nature essentiellement documentaire de l'image argentique. C'est une révolution qui n'a d'égale que celle qu'on connaît aujourd'hui avec le numérique. L'industrie propose des objectifs de plus en plus précis, des appareils de plus en plus petits, des émulsions de plus en plus rapides. Le tirage se fait encore par contact direct du négatif et du positif enfermés dans un châssis de bois, mais le papier est désormais si sensible qu'on peut l'exposer à la lumière d'une simple lampe à gaz. Ne soyez pas un fossile, utilisez une optique moderne pour des résultats à la pointe du progrès, dit cette publicité. Le pictorialisme, c'est d'abord un refus de cette injonction. Quand Edward Steichen publie son autoportrait dans Camera Work, la principale revue pictorialiste, il ne se représente pas en homme moderne, mais en peintre de l'ancien temps, de l'ancien régime, aurait-on envie de dire. C'est la nostalgie du geste artisanal de la main et du pinceau, opposé au travail de la machine. La matière même de l'image cherche à faire oublier sa nature mécanique et chimique. Pour devenir artistique, la photographie doit renoncer à elle-même, se faire non photographique. Un intérieur hollandais peint par Peter de Hooke en 1658. Un intérieur hollandais à la manière de Peter de Hooke, photographié en 1908 par l'Italien Guido Rey. Au début du XXe siècle, Guido Rey est un des rares à continuer à pratiquer ce pictorialisme au premier degré, aussi ancien que la photographie elle-même. Le résultat prête à sourire par son anachronisme. L'œil mécanique de l'appareil enregistre froidement la situation pour ce qu'elle est. Une reconstitution platement éclairée par une lumière si forte qu'elle oblige le photographe à retoucher au crayon la croisée de la fenêtre que la surexposition a quasiment fait disparaître. Il faut donc s'affranchir de l'objectivité mécanique de l'appareil. On peut pour cela tout simplement se débarrasser de l'objectif en le remplaçant par une simple ouverture circulaire. C'est le sténopée, la chambre noire, connue depuis l'Antiquité. C'est ce qu'a fait l'anglais George Davidson en 1890. Le résultat est cette image au contour imprécis, le champ d'oignon. Une image devenue une référence pour les pictorialistes, qui auront toutefois recours à des moyens plus sophistiqués, comme ces téléobjectifs, utilisés non pas pour photographier de loin et incognito, mais pour les magnifiques flous que leur faible profondeur de champ permet d'obtenir. Ou encore des objectifs spéciaux, générant du flou qu'on appelle objectif d'artiste. Pour les pictorialistes, l'image nette est le produit de la correction mathématique tandis que l'image floue est plus proche de l'imperfection naturelle de l'œil. Les détails, l'anecdote s'estompent, laissant émerger les grandes masses de la composition, comme dans cette photographie de l'Américain Alvin Coburn, Le pont d'Ipswich, 1903. Dans cet autre cliché de Coburn, le flou fait vibrer l'image. La maison et les arbres semblent animés d'une vie propre, d'un inquiétant tremblement, expliqué par le titre. La maison hantée. En France, le commandant Puyot, inventeur d'objectifs d'artiste, en démontre l'efficacité avec deux images d'un même modèle. À gauche, une optique normale. L'image est nette, un peu trop. À droite, l'objectif d'artiste du commandant Puyot, qui, miracle, fait disparaître toutes les taches de rousseur. C'est également pour tester de nouveaux objectifs qu'Alfred Stiglitz, le chef de file du pictorialisme américain, a photographié cette jeune modèle, en prenant bien soin de lui préciser, à en croire ses mémoires, qu'il ne la regardait pas en tant que femme. Le flou ici joue deux rôles. Il érotise l'image, dont il accentue le caractère intime, et en même temps il la rend artistique, acceptable. Ce n'est plus une femme nue mais la vision de l'artiste que l'on doit regarder. Pour Stieglitz, le flou est aussi une façon d'animer l'image fixe. Dans ce portrait de Miss R, datant de 1904, il parvient à traduire une impression fugitive, une sensation de présence, comme si la jeune femme était juste en train de se tourner vers nous. Un mouvement encore accentué par l'inclinaison du buste Le flou, qu'on appelle désormais le flou artistique, devient une recette permettant d'anoblir les images les plus quelconques. À ceux qui n'ont pas de quoi s'acheter les optiques spéciales, les revues prodiguent de bons conseils. On peut par exemple enlever l'objectif et le remplacer par un simple verre de bésicle. On peut aussi attacher une corde à l'objectif, la tendre en la coinçant sous son pied et la frotter avec un archet de violon pour faire vibrer légèrement l'optique pendant la prise de vue. Le résultat n'est pas garanti. En 1894, Étienne-Jules Marais photographie la chute d'un chat. La chronophotographie de Marais, nécessitant des temps de pause de quelques dixièmes de seconde seulement, témoigne elle aussi des progrès de la technique. Mais les pictorialistes dédaignent cette nouvelle maîtrise du temps, tout juste bonne selon eux pour les clichés scientifiques. À ce qu'ils appellent le mouvement interrompu de l'instantané, ils préfèrent le mouvement immobilisé, la pause. L'homme en armure, autoportrait de Franck Eugène, 1898. La pose va de pair avec une prédilection pour les thèmes éternels. La jeunesse contemplant la réalité. Une allégorie du photographe espagnol Juan Villaloba. Mais c'est sans doute l'américain day qui pose ici en artiste renaissance pour son ami Station, qui a réalisé l'exploit le plus étonnant. Une synthèse d'instantané et d'éternité. Sept poses successives, illustrant les sept dernières paroles du Christ sur la croix dûment enchâssé et légendé. Le Christ est joué par le photographe lui-même. La succession des pauses cherche à traduire l'épaisseur temporelle du drame de la passion jusqu'à la dernière image au décadrage tout à fait moderne. Non content d'imiter la grande peinture, les pictorialistes s'intéressent aux genres mineurs, comme les silhouettes découpées, à la mode depuis le XVIIIe siècle. Profil d'Alfred Stieglitz, profil d'Edouard Steichen. Il s'agit bien de photographie. La recette en est donnée dans Camera Work. Le sujet doit être placé devant une fenêtre plein ciel. Et photographié avec un objectif qui vaut au moins 100 dollars. La silhouette en contre-jour, à la fois élégante et énigmatique, est une figure appréciée des pictorialistes. Édouard Steichen en use et en abuse dans ce portrait de Rodin, de profil face à son fameux penseur. Les deux silhouettes se découpent avec précision sur un fond plus clair, où Victor Hugo, une autre œuvre de Rodin, semble flotter comme un ectoplasme dans une séance de spiritisme. La silhouette crée de la profondeur dans tous les sens du terme. Elle permet de mettre en opposition un arrière-plan atmosphérique et un avant-plan nettement dessiné. Wapping de Coburn, 1904. Ce type de composition est fortement influencé par le japonisme, à la mode en ce début du XXe siècle. L'influence du japonisme se traduit aussi par le choix de formats atypiques, comme ceux popularisés par le peintre Bonnard. Bénédicité, du français Pierre Dubreuil, 1902. Pour dramatiser la distance entre l'enfant et le vase de fleurs, la photographie s'allonge comme un marque-page, un effet un peu forcé, contrairement à ces deux images de Stieglitz, où le format vertical est naturellement dicté par le sujet. La silhouette de l'arbre et celle du gratte-ciel Flatiron, fer à repasser, le bâtiment favori des pictorialistes américains, photographié aussi bien par Steichen en 1904 que par Coburn en 1912 dans une image qui rend avec délicatesse et profondeur l'ambiance d'une rue de New York entre chien et loup. C'est d'Amérique aussi qu'arrive la Grande Révolution. 1889, le premier appareil Kodak. En trois mouvements, la photographie est désormais à la portée de tous. Pour se distinguer de la nouvelle masse des photographes amateurs, le photographe pictorialiste va refuser cette simplification du geste photographique et rechercher au contraire la difficulté, l'exploit technique. Ainsi, cet instantané pris au vol aux alentours de 1910 sur une plage bretonne par le français Robert Demachy. À première vue, il semble bien loin de l'esthétique pictorialiste. Mais qu'importe! Le photographe va le transformer, le pictorialiser dans son laboratoire, en le contrastant, en redressant l'horizon et en donnant à l'enfant du premier plan la beauté pittoresque d'une silhouette en contre-jour. De même, en 1914, L'allemand Heinrich Kuhn va japoniser cette photographie en couleur d'une excursion en montagne en rajoutant un premier plan de feuillage en contre-jour tombé de nulle part. Tandis que dans un autre tirage en noir et blanc, il opte plus banalement pour un arrière-plan de montagne. Avec les pictorialistes, le travail de laboratoire prend une nouvelle importance. Plus que la prise de vue, le tirage du positif devient le moment décisif. Le Franco-Américain Paul Aviland pratique le tirage sur cyanotype, un procédé tombé en désuétude car on trouvait sa teinte bleue trop artificielle. Aviland tire parti de cet effet irréel pour sublimer un portrait intime de son modèle Florence Peterson. Sur cet autre cliché, l'absence de nuances du processus stylise l'image en la réduisant à un jeu graphique d'ombre et de lumière. D'autres au contraire cultivent à l'extrême l'art de la nuance. Ainsi, Steichen choisit exprès les situations les plus difficiles, comme cet étang au clair de lune de 1904. Le négatif est en noir et blanc. L'image est subtilement colorée au tirage par l'ajout de couches successives de diverses substances colorantes. Le secret des tirages de Station et de la plupart des pictorialistes, c'est la fabrication artisanale de papier à base de procédés appelés pigmentaires, dont le plus connu est la gomme bichromatée. Le papier est enduit d'une solution de gomme arabique, de bichromate de potassium et de pigments colorés. Quand le papier est exposé, la gomme durcit en fonction de la quantité de lumière que laisse passer le négatif. Ensuite, L'image n'est pas révélée comme dans les processus argentiques, mais lavée à l'eau tiède, dépouillée, disent les spécialistes. Dans les zones claires, la solution disparaît. Dans les zones sombres, elle reste, gardant la couleur du pigment employé. Le dépouillement se fait au pinceau. Le geste du peintre devient ici une réalité. Les procédés pigmentaires demandent une grande virtuosité. Ils produisent des épreuves uniques, d'une finesse et d'un raffinement extrêmes, comme ces paysages miniatures du tchèque Drtikol. La présentation, sur des cartons de couleurs différentes, souligne la préciosité de ces images, qui oscillent entre naturalisme et symbolisme, avec une prédilection pour des vues nocturnes qui confinent à l'abstraction. Dans un registre plus franchement symbolique, une allégorie du deuil intitulée In Memoriam du photographe Steichen, 1904. La pose est convenue, mais elle n'est que le prétexte à un tour de force dans le rendu du clair-obscur, du velouté de la peau et des matières. Le sujet s'efface devant la manière de l'artiste, manière que Steichen revendique en signant l'image non pas une, mais deux fois. Tout autant que la signature, la présentation même des épreuves, montées et encadrées comme des dessins ou des gravures, vise à faire oublier qu'il s'agit de simples tirages photographiques. Peut-être nous accusera-t-on d'effacer le caractère photographique, dit Robert Demachy, l'auteur de ce portrait. C'est bien notre intention. Pour cela, Demachy n'hésite pas à s'attaquer au négatif lui-même. C'est ce qu'il appelle la retouche au burin. Le négatif de ce nu est gratté et repeint de façon à gommer l'anecdote, ici le décor, pour faire ressortir le sujet dont on accentue certains détails. La pose est académique, mais le grattage crée autour du modèle une sorte de vibration plastique, la trace unique réellement laissée par la main de l'artiste. Ici, contrairement aux effets de tirage, c'est l'original lui-même qui est réinterprété de façon irréversible. une des images les plus étonnantes de ce travail sur le support est due au photographe germano américain frank eugène ce simple cheval de trait détaché de son décor naturel devient le cheval un archétype en regardant de plus près on découvre toutefois que le photographe voulait aussi voulait surtout faire disparaître de son image un homme coiffé d'un chapeau qui tient le cheval par la bride Plus émouvante, cette photographie de Franck Eugène montrant Adam et Ève après la chute. Les griffures projettent l'image dans le présent, donnant l'impression qu'on assiste à la lutte de l'artiste contre les limites de son support. Mais c'est aussi, sur un thème vieillot, une façon toute moderne de dénoncer le trompe-l'œil photographique, de rappeler que ce que l'on voit n'est qu'une surface plane, enduite de solutions sensibles. Plutôt que d'opposer l'image photographique et l'intervention de la main de l'artiste, Robert Demachy cherche à les fondre l'une dans l'autre dans cette œuvre étonnante appelée Composition tournante de 1905. Ici, dessins et peintures visent à dissoudre les bords de la figure photographiée pour l'entraîner dans le tourbillon de leurs mouvements. On admire le tour de force technique, mais le mélange ne prend pas. Ce pictorialisme radical reste une curiosité, une impasse. En 1901, à l'âge d'or du pictorialisme, la revue Camera Work publiait un pastiche du monologue d'Hamlet. Peindre ou photographier Telle est la question. Dix ans plus tard, la question est définitivement tranchée. Stiglitz publie dans Camera Work. The steerage, l'entrepont. C'est un manifeste de la straight photography, la photographie directe qui rejette tous les effets de tirage, toute la cuisine pictorialiste. L'accent est mis à nouveau sur la prise de vue, le regard du photographe, capable de tirer du réel des images parfaitement maîtrisées, dont la composition est d'autant plus forte qu'elle semble naturelle. En découvrant cette image, Picasso aurait dit Stieglitz photographie comme je peins. Photographier c'est peindre, mais avec la seule lumière. Paula, rayon de soleil. Une photographie prise par le jeune Stieglitz en 1889, avant sa période pictorialiste. 28 ans plus tard, on retrouve les mêmes lignes d'ombre et de lumière dans Véranda, œuvre d'un jeune photographe qui prône l'objectivité absolue, sans truc ni procédé. Il s'appelle Paul Strand. L'image est publiée par Stieglitz dans le tout dernier numéro de Camera Work. L'épitaphe du pictorialisme, la fin d'une longue et belle parenthèse. Et station lui-même, qui en 1903 s'est photographié en peintre se photographie à nouveau en 1917 en photographe.